T'as vu le monde de malades dans lequel on est ? Au XXe siècle, c'était génial. Je me souviens, quand ils l'ont installé dans l'immeuble, ça allait très bien. Le code, c'était 3945. Bon, c'est vrai, tout le monde rentrait dans l'immeuble, je reconnais. Mais du coup, moi aussi, je rentrais facilement dans mon immeuble. Parce que je n'ai pas de mémoire. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme moi maintenant, on nous demande partout des codes, des chiffres, des codes, des chiffres. Vous n'avez pas de mémoire ? Faites comme moi. Utilisez la mnémotechnie. La mnémotechnie, c'est l'avenir. Le nouveau code de mon digicode, c'est 1844. Pourquoi je m'en souviens ? Parce que 18, c'est la taille de mon sexe au repos, et 44, quand je suis en érection. Facile à souvenir, c'est assez rare. Sauf quand t'es bourré, bien sûr. Quand tu rentres bourré à 3h du matin, là, tu te souviens pas toujours de ton code. D'accord ? Mais dans le temps, au XXe siècle, c'était top. Il y avait des concierges. Tu rentrais bourré à 3h du matin, c'était là. Oh. Ouais, j'ai fait de mes clés, moi. Oh, bah, ça y est, j'ai oublié les clés. Ah, bah non, j'ai oublié les clés. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai... Nicolas, concierge. C'est à ce moment-là que vous rentrez. Vous me prenez pour une gnoute ou quoi? Nicole. Excusez-moi de vous déranger, Nicole. Est-ce que vous pouvez venir descendre m'ouvrir? À ce moment-là, vous foutez de la gueule du monde? Vous avez encore oublié vos clés, c'est ça? Je n'ai pas oublié mes clés. Elles sont restées s'amuser à la fête, les clés. Elles vont rentrer plus tard. Le trousseau connaît le chemin. Elle m'a dit, Nicole, fais venir m'ouvrir, s'il vous plaît. Ah non, mais dites-donc, Nicole, je vous aime. Bon, ça va, arrêtez de gueuler, je descends. Voilà, on pouvait discuter. Aujourd'hui, essaye d'aller dialoguer bourré à 3h du matin avec un digicode. Digicode ou digicode, tu me reconnais? Bon, je t'explique. J'habite l'immeuble, mais je me souviens plus du code. Tu peux m'ouvrir, digicode, tu seras gentil. Digicode ou digicode, tu te souviens de moi? Je suis le locataire du 5 et du 23 de demain. J'habite le rez-de-chaussée. Bah, je passe tous les jours devant toi. Digicode. Je te parle d'homme à digicode. Et je te respecte en tant que digicode. Ah, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, il sera gentil. Eh, gros con, tu me regardes quand je te parle. Madame, ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. Je discute avec mon digicode. Digicode, tu es mon ami. Viens dîner un soir à la maison. Je te présenterai la machine à laver. Vous pourrez vous amuser tous les deux. C'est une grosse machine à laver. Bon, tu m'ouvres, je te pisse dessus. Tu vas enrouiller et plus personne pourra rentrer dans l'immeuble. Attention. Mais je vais le faire, hein. Ah ben t'as gagné, alors je le fais. Attends. J'ai retrouvé le premier chiffre. C'est neuf. Bon, là il fait un peu froid, hein, c'est pour ça. Attends, je vais chercher le deuxième chiffre. Bon, allez, un petit effort, allez. Mais moi aussi, je suis fatigué. Hein. Et tout le monde est pressé d'aller se coucher. Hein. Bon, je te donne un coup de main, mais c'est la dernière fois. Hein. Et d'un seul coup, les voisins arrivent. Oh. Monsieur! Enfin, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites, là? Quoi? Je cherche le code!